Der Chapitre Red Ratio and Proportion, nous bouquet part 5, Proportion. Proportion, il y a two types of proportion, direct proportion et indirect proportion ou inverse proportion. Dans cette vidéo-là, nous pouvons travailler deux questions, le direct proportion et deux questions, le inverse proportion. Direct proportion, question N, partie A. 3 apples cost 18 rupees. 5 apples cost how much? Ça, c'est nos questions. Et que vous trouvez, information qui nous connaît, c'est 3 apples, ce prix, les 18 rupees. Ça, c'est information qui nous connaît. Et qui peut déjà rôder, il peut envie connaître. Mais 5 pommes ou 5 apples, combien pour coûter? Ça, c'est nos objectifs. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour un intermediate step quand nous avons besoin d'être une pomme combien d'été? Alors, nous organisons. Nous pouvons connaître que 3 pommes peuvent coûter 18 roupies. Nous avons une pomme combien elle peut venir. Right, 3 comme elle vient n, c'est une divise par 3. Next, the direct proportion, nous avons besoin de checker est-ce qu'il y a droite aussi pour diviser par 3? Si 3 pommes 18 roupies, mais 1 pomme les pouvons plus alors nous pouvons diviser même, et nous pouvons diviser par même quantité, nous pouvons diviser par 3, alors ici les pouvons 18 sur 3. Ça c'est pris pour 1 pomme. Alors la direct proportion, c'est que vous faites à gauche, vous faites pareil à droite. Ici on divise par 3, vous faites 3 pommes et 1 pomme, mais 1 pomme, c'est 3 pommes les 18 roupies, 1 pomme les pouvons diviser, les pouvons diviser par 3 même. Alors, on fait même affaire à gauche et à droite. Ça, c'est direct proportion. Next, si une pomme est 18 roupies, je peux envie de connaître 5 pommes comme elle peut être. Right, n comme elle vient 5, une fois par 5. Alors, la direct proportion, à droite aussi, nous pouvons fois par 5. Comment nous pouvons checker si plus 1 fois par 5? Vous pouvez trouver n pour 25, une fois 5. Ça veut dire n pomme autant, mais 5 pommes pour venir plus beaucoup. Quand elle vient plus beaucoup, nous pouvons multiplier. Alors, pour gagner la réponse finale, on peut besoin faire 18 sur 3, on peut besoin fois par 5. Alors, nous faisons nos calculs. Divise par 3 fait 1, divise par 3 fait 6. Et 6 fois 5, réponse finale, 20, 30 roupies. Alors, 5 pommes pour coûte 30 roupies. Next partie B, on peut trouver là, nous avons besoin de vieilles proportions. 18 roupies, 3 pommes, mais de 54 roupies, combien de pommes nous pouvons gagner? Ben, des fois comme ça, pour besoin de vieilles proportions, nous pouvons besoin faire 18 roupies. Dans 18 roupies, nous pouvons gagner 3 pommes, 3 apples. Next, nos objectifs c'est de checker dans 54 roupies, combien de pommes nous pouvons gagner. Au milieu, nous pouvons faire un intermediate step. Nous pouvons checker dans 1 roupie, combien de pommes nous pouvons gagner. De là, nous allons checker dans 54 roupies, combien de pommes nous pouvons gagner. Alors, 18, comment vient n? On divise par 18. Right, si dans 18 roupies, on peut gagner 3 pommes, dans 1 roupie, on peut gagner petit kit de pommes. Alors, à droite aussi, vous pouvez diviser. Et diviser par même quantité, divise par 18. Alors, dans 1 roupie, on peut gagner 3 sur 18 pommes. Next, 1 roupie, on peut gagner autant de pommes, dans 54 roupies, combien de pommes vous pouvez gagner? Alors, n, comment vient 54? Une fois par 54. À droite, nous pouvons décider est-ce qu'il faut fois ou soit pour diviser. Si dans 1 roupie, vous pouvez gagner autant de pommes, dans 54 roupies, vous pouvez gagner plus beaucoup de pommes. Quand il y en a plus beaucoup, vous pouvez multiplier. Alors, nous pouvons multiplier par 54. Vous trouvez direct proportion. Si vous divisez, à droite, vous divisez. Si à gauche, vous pouvez multiplier, à droite, vous multipliez. Alors, dans 54 roupies, vous pouvez gagner 3 sur 18 pommes. Vous pouvez gagner fois par 54. Alors, nous divisons. Autant pommes les pour faire. Divise par 3 fait n. Divise par 3 fait 6. Divise par 6 fait n. Divise par 6 fait 9. Alors de 54 roupies, vous gagnez 9 apples. Ça, c'est réponse pour. Direct proportion, question 2. 7 pears cost 63 rupees. 4 pears cost how much? Ok, ça, c'est nos objectifs. Right, c'est qui nous connaît qui 7 poires peut coûter 63 roupies. Ça, c'est information qui nous est là. Et question peut demander toi,
Mais 4 poids, combien il peut coûter? Alors nous pouvons faire un step au milieu. Nous pouvons coûter un poids comme il coûtait avant. Alors ici, 7 comme il vient 1, on divise par 7. Et 1 comme il vient 4, on multiplie par 4. Ok, si à droite aussi, vous pouvez faire pareil, alors là, les direct proportion. Comment nous check ça? Si 7 poids, il coûte 63 roupies. Mais 1 poids, il peut venir plus petit. Quand il y a plus petit, nous pouvons diviser. Alors, on décide qui à droite aussi, vous pouvez diviser par 7. Alors, 1 poids pour venir 63 roupies, divise par 7. Next, si 1 poids est autant, mais 4 poids, comment il peut être? Alors, si 1 poids autant, 4 poids, il peut vous amener plus beaucoup. Alors, vous pouvez un fois à droite. Alors, ici, qui nous peut faire? Nous pouvons prendre ça, nous pouvons fois par, même quantité, nous pouvons fois par 4. Vous pouvez trouver des côtés quand nous divisons avec un pour fois à droite aussi une fois. Alors, il y a une question direct proportion. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pour une réponse, nous pouvons prendre 63 sur 7. Nous pouvons multiplier par 4. Alors, nous organisons. Divise par 7 fait 1. Divise par 7 fait 9. Et pour une réponse finale, nous pouvons prendre 9 roupies fois 4. Et 9 roupies fois 4 fait 36 roupies. Next, partie B. 7 poids, 63 roupies. Mais il demande de 117 roupies, combien de poids pour gagner? Alors nous proposons une vieille proportion. De 63 roupies, nous pouvons gagner 7 poids. Alors, question peut demander toi, de 117 roupies, combien de poids pour gagner? Alors, au milieu, nous proposons de checker de 1 roupie, combien de poids nous pouvons gagner avant. De là, nous avons checké pour 117 roupies. Vous pouvez trouver 63 pour venir 1, il divise par 63. 1 pour venir 117, il multiplie par 117. Ok? Alors, nous checkons. De 63 roupies, vous pouvez gagner 7 poids. Mais de 1 roupie, vous pouvez gagner plus petit poids. Alors, vous pouvez diviser même à droite. Pareil comme on fait à gauche. Ici, vous pouvez diviser par 63. Alors, 7 divise par 63, il fait 7 sur 63, autant poids. Next line. Si dans 1 roupie, vous pouvez gagner autant poids, 117 roupies, vous pouvez gagner plus beaucoup poids, alors vous pouvez multiplier à droite, et que vous pouvez multiplier pareil comme vous multipliez à gauche, ou pour fois par 117. Alors pour gagner la réponse finale, nous pouvons prendre 7 sur 63, nous pouvons multiplier avec 117 pour connaître combien de poids est venu. Alors, nous organiser. Premier travail que vous pouvez faire, vous pouvez diviser par 7, il fait 1, divise par 7, fait 9. Divise par 9 fait 1, 117 divise par 9 fait 13. Réponse Pevin, 13 poids. Inverse proportion, question N. La donne dit à toi qu'il y a 7 travailleurs, puis prend 14 jours pour arranger la case. 28 travailleurs, combien de jours il peut prendre pour arranger même la case? Et que nous achetons que tout le monde travaille avec le même rate, même vitesse. Ok? Ben, question, quand on a manpower, quand on a même du monde qui travaille, la salle inverse proportion. Comment? Nous checkons sa question. Vous pouvez connaître que 7 workers peuvent prendre 14 jours pour arranger la case. Notre objectif, c'est guetter les 28 travailleurs si peuvent travailler avec le même rate. Nous pouvons checker combien de jours je peux prendre pour arranger même la case. Alors pour un intermediate step, nous pouvons checker un travailleur d'abord combien de jours je peux prendre. Ok, alors 7 comment vient n, on divise par 7 et n comment vient 28, on multiplie par 28. Alors nous checkons à droite. 7 travailleurs peut prendre 14 jours pour arranger la case. Et si je diminue 20 travailleurs, je fais un seul travailleur. Mais un seul travailleur pour arranger même la case pour prendre plus beaucoup de jours. Parce que dans moins de monde, il y a plus beaucoup de hard work pour vous faire. 7 travailleurs 14 jours pour arranger la case, même la case, un travailleur pour prendre plus beaucoup de jours. Mais à gauche, ici, on trouve une divisée. Mais à droite, nous pouvons multiplier. Alors, 14, nous pouvons fois par 7. Nous divisons par 7 à gauche, à droite, nous fois par 7. Alors, ici, nous pouvons. 14 fois 7 autant jours. Next, un travailleur peut prendre autant jours.
Et 28 travailleurs, si vous donnez plus beaucoup coup de main, vous pouvez à casa plus vite, alors vous pouvez moins l'étant. Alors à droite, nous pouvons diviser. À gauche, vous multipliez par 28. À droite, vous pouvez diviser par 28. Alors, qui pouvez venir? 14 fois 7 divise par 28, autant jour. Alors, nous divisons par 7, faire 1. Divise par 7, faire 4. Divise par 4, faire 2. Divise par 2, faire 2. Divise par 2, faire 7. Et 7 divise par 2, faire 3,5 jours. Alors, ça 28 travailleurs là, de 3,5 jours, je vous finis en à la case là. Vous trouvez qui de inverse proportion, si vous divisez à gauche, vous besoin multiplier à droite. Si vous multipliez à gauche, vous besoin diviser à droite. Ok? Et qui make sense? Si 7 travailleurs vous prend 14 jours pour rentrer dans la case, 28 travailleurs me donnent plus beaucoup de travailleurs, je pourrais rentrer dans la case dans moins de jours, de 3,5 jours. Next part B. Dans nos besoins, viennent nos proportions. De 14 jours, pour rentrer à la case de 14 jours, nous avons besoin de 7 travailleurs. Mais même la case pour rentrer de 49 jours, combien de travailleurs nous avons besoin? Ça, c'est partie B. Alors, 14 jours, nous avons besoin de 7 travailleurs, 7 workers. Next, nous pouvons checker de 49 jours, combien de workers pour besoin? D'abord, nous pouvons checker de 1 jour, combien de workers nous avons besoin? 14, comment nous avons besoin de 1, nous divisons par 14. Et n comme n 49, nous multiplions par 49. Next, nous checkons. De 14 jours par an sur la casa, nous avons 7 travailleurs. Mais si dans un seul jour par an sur la casa, nous avons plus beaucoup de travailleurs, alors à droite, nous avons multiplier. Si nous divisons par 14 à gauche, à droite, nous avons multiplier par 14. Et vous venez 7 fois 14, autant de workers nous avons. Next. Si de 1 jour, autant workers pour besoin de 49 jours, nous pouvons petit kit workers parce que c'est même la case pour ranger. Alors ici, nous pouvons diviser. À gauche, une fois par 49. À droite, nous pouvons diviser par 49. Nous pouvons 7 fois 14, divise par 49. Autant workers nous pouvons besoin. Nous diviser. Divise par 7. Faire n. Divise par 7. Faire 7. Divise par 7. Faire n. Divise par 7. Faire 2. Réponse pour Vin, 2 workers. Question 2. La dans les états qui n'a 15 travailleurs, peut prendre 6 jours pour peindre un mirail. Les 5 travailleurs, combien de jours vous pouvez prendre pour peindre le même mirail? Alors nous organiser. Ici vous trouvez la manpower. Alors côté la manpower, vous pouvez une inverse proportion. Vous pouvez connaître qu'il y a 15 workers. Et que je vais prendre 6 jours pour se rendre dans la case. Alors, d'abord, nous pouvons checker un travailleur combien de jours je peux prendre. Là, nous pouvons checker nos questions, ce qui nous demande. 5 travailleurs combien de jours je peux prendre. 15, combien de vins n, on divise par 15. N, combien de vins 5, on multiplie par 5. Et à droite, 6, on peut besoin fois par 15. Parce que un travailleur pour remplir beaucoup de jours pour rentrer dans la case là. Il peut venir 6 fois 15. Autant jour. Next, à ce que vous avez envie de connaître 5 travailleurs, combien de jours pour prendre? Ici, une fois par 5, mais à droite, vous pouvez diviser par 5. Vous pouvez 6 fois 15, divise par 5, autant travailler. Alors, nous organisons. Divise par 5 fait n, divise par 5 fait 3. Alors, 6 fois 3 fait 18. Réponse pour vous 18 days. Next, partie B. Ici, nous pouvons envier nos proportions. 6 jours pour peindre sa mirail là, nous avons besoin de 15 travailleurs. Next, nous pouvons checker de 1 jour combien de travailleurs nous avons besoin. De la next, dernier, nous pouvons checker de 3 jours combien de travailleurs nous avons besoin. 6 pour venir 1, on divise par 6. À droite, nous avons besoin de multiplier par 6. Nous pouvons venir 15 fois 6 autant workers. Next, n comme 23, on multiplie par 3. Alors, à droite aussi, on peut besoin divise par 3. Qui fait? Parce que si un jour, on peut besoin de travailler. 3 jours, on peut besoin moins travailler parce que c'est le même travail pour faire. Alors, si une fois 3 à gauche, à cause de inverse proportion, on peut besoin divise par 3 à droite. Alors, on peut venir 15 fois 6 divise par 3. Autant travailler, on peut besoin.
ou divise par 3 en bas, divine n. Divise par 3, divine 5. Et 5 fois 6 fait 30. Réponse 20. 30 workers.